Alors, moi je vous dis que Dieu lit en chacun de nous comme dans un livre ouvert. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour lui, pas la moindre de nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne peut lui être cachée. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'avant même qu'elle apparaisse dans notre petit esprit, Dieu connaît déjà notre pensée. Ainsi, quand on le prie, à quoi bon lui demander, le supplier à chaque instant de nous donner ce que l'on veut, car ce que tu veux, il sait que tu le veux, avant même que tu ne le saches. Alors arrête de le bassiner, n'as-tu pas confiance en lui? Le bon Dieu, c'est ce qu'il te faut. Ainsi, s'il ne t'exauce pas, tu peux être sûr qu'il a raison. Alors le plus simple, c'est de ne rien demander. Sois raisonnable, mon frère, et vois les choses comme il faut les voir. Et si, aux yeux des hommes, tu es le plus grand, n'oublie pas qu'aux yeux de Dieu, tu n'es rien d'autre que son tout petit. Seul celui qui s'abaisse sera élevé. Sais-tu, mon très cher frère, pourquoi Dieu aime les humbles? Parce qu'il sait tout de nous et qu'on n'est pas très beau à voir. Et pourquoi n'est-on pas beau à voir? Pour quelqu'un qui connaît tout de nous, pour plein de raisons en vérité. Et ma foi, il y en a tant. C'est l'histoire de la paille et de la poutre. On a tôt fait de critiquer les gens pour des tares qu'on juge scandaleuses. Mais les nôtres ne valent pas moins cher. Dieu qui sait tout de nous, nous va nous prendre pour des grands, à donner des leçons à juger, alors qu'on ne vaut pas plus. Et puis on est là si fiers de nous, nous attribuons tout le mérite de nos pauvres petites bonnes actions. Mais si seulement on savait que c'est Dieu qui nous les suggère, notre seul mérite c'est de les accomplir. Sans Dieu on ne ferait que le mal. Mes frères, il faut me croire. Sois raisonnable, mon frère, et vois les choses comme il faut les voir. Et si, aux yeux des hommes, tu es le plus grand, n'oublie pas qu'aux yeux de Dieu, tu n'es rien d'autre que son tout petit. Seul celui qui s'abaisse sera élevé. Alors sois raisonnable, mon frère, et vois les choses comme il faut les voir. Et si, aux yeux des hommes, tu es le plus grand, n'oublie pas qu'aux yeux de Dieu, tu n'es rien d'autre que son tout petit. Seul celui qui s'abaisse sera élevé.